battu. Tu as échoué. Ton père t'avait tout donné. Et tu n'as plus rien. Tous ceux à qui tu tiens, tous ceux que tu aimes, t'ont désormais tourné le dos. Quel effet ça fait ? Mon cœur. On ne change pas le passé. Mais dis-moi, comment agirais-tu si tu avais une deuxième chance ? Vergile. Vergile. Kat, tu es vivante. Kat a été utile. Utile ? Kat m'a sauvé la vie. Vergile, s'il te plaît. Reste en dehors de ça ! Eh bien salut tout le monde, c'est Max, c'est 69. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la chute de Vergile. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. J'ai eu un petit problème où je suis carrément oublié de lancer le record tout à l'heure. Donc j'ai tourné tout l'épisode 2 et là je suis obligé de le retourner. Et en commençant cette mission, normalement on débloque le mode ange que j'utilise là en ce moment. Cette attaque, ce tourbillon, Enfin bref, on a débloqué le mode ange. Donc là ça l'a pas marqué parce que j'ai déjà fait la mission, mais c'est... En fait j'arrive à la fin de la mission, à la cinématique, je regarde on est à combien de temps de vidéo. Et là je vois, je peux enregistrer, je fais... Merde. En fait j'ai parlé pendant presque, je pense, 15 bonnes minutes dans le vide, voire 20. Donc je suis un peu deg clairement, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer à la base. Alors justement là je voulais en profiter pour... pour enregistrer et bah du coup je suis obligé de recommencer. C'est un peu... C'est dommage quoi. Je suis con mais bon. Bref, c'est un oubli, c'est pas grave. Donc là, on a vu Kat, on doit aller la sauver. Et... Donc c'est pas mal parce que même malgré que... On va dire que... Il s'est fait virer la team des démons... des Néphilim, Vergile, bah, il veut quand même sauver Kat, ce qui est plutôt pas mal quand même, je dois l'avouer. C'est-à-dire qu'il voulait la sauver, donc il aime bien, il l'aime quand même bien encore, même si il s'est fait virer, quoi. Oh là, mais je suis parti grave loin. J'ai rien compris là, ce qui s'est passé. En plus, je suis trop deg tout à l'heure parce que. On va arriver à un endroit où il y aura quand même pas mal d'ennemis et je faisais des moves, mais de bâtard! Je vous jure, je faisais des trucs, mais de malade! J'ai jamais fait sur DMC. Eh, TP de toi! Oh non! je suis trop deg! Et puis en plus, j'ai ramassé une croix de 10% de santé, donc du coup, par rapport à l'épisode précédent, bah j'ai plus de vie. Un savage. Oh, j'ai réussi à faire un statistique. Même tout à l'heure, même en faisant un combo de dingue, j'ai pas réussi à faire un statistique. J'en peux faire un sensationnel, mais bon. Avec. Vu que j'ai pas les pouvoirs de démon, je peux pas encore faire des masses de combos. Même si normalement c'est censé être possible. Les combos, c'est pas trop ça. Donc tout à l'heure j'étais... Oh, j'ai un point d'amélioration. Hop, on va améliorer Yamato. Bon voilà, une frappe finale qui affiche encore plus de dégâts, voilà. Tout à l'heure j'étais passé par la gauche. Et comme je suis trop deg, bah je vais passer par la droite. Donc voilà. Et comme je suis trop deg, bah je tombe dans le vide aussi, bien évidemment. J'ai pas attendu que la pierre... Pourquoi ?
Par contre, c'est du foutage de gueule. Merci. Perte de barre de vie. Si je suis tombé comme ça. Ouais, normalement, on aurait dû tomber en face là-bas. Et. Il y a une croix que j'ai pas ramassée là-bas. Putain. On va la voir. Ce n'est pas une âme. Non. Ah, si, 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 on entend bien une âme. Là, ici. Voilà. Ok, très bien. Il a du mal, hein. Hop, hop. Oh, putain. Pfff. La fusée. On l'appelle la fusée dans le milieu. Ah, on était là tout à l'heure. Donc ici, c'est là-bas que j'ai récupéré la croix de santé. Et c'est ici qu'il y avait une âme. Oh, regardez, il y a encore la trace. Ok. Ah oui, j'avais dernière, mais putain, je peux pas me TP sur lui, bah oui. Et c'est ici que j'ai fait des moves de bâtard. C'est ici, il va y avoir pas mal d'ennemis. Par contre, ce que je viens de faire, c'était clairement de la merde. Ah, il peut pas monter le save age. C'est sensationnel. Ah, je vais perdre save age. Ouais, non. C'est moi, il y avait plus d'ennemis tout à l'heure. Ou c'était après, je sais plus. Allez, TP-toi. Bordel. Oh là là. Putain les gars, je transpire, il fait trop chaud là en ce moment. C'est horrible. Je déteste la chaleur. Oh quoi? C'est un peu bizarre parce qu'en fait on a les flèches rouges là de démoniaque et on n'a pas la lame. Ok, ici toi. Comment il s'est pris la flèche? Oh putain, je l'ai défoncé pendant qu'il était en train de faire son dos. On ne tombe pas mec. Ok, 2-1. Oh, j'ai traversé la porte. Oh putain. Non, par contre, là, j'ai utilisé la flèche rouge. 4 là. C'est classe quand même. Il rentre son katana. Ah ouais, c'est pour faire ça. C'est bizarre parce qu'en fait au début de son combo il tape avec le fourreau. Je sais pas comment il arrive à faire mal avec un fourreau. Même Zoro dans One Piece il se bat pas avec ses fourreaux. Bizarre. Oui, je compare DMC à One Piece alors. Non, merde. En fait j'étais là-bas parce que tout à l'heure ici il y avait une croix je crois. Putain, j'ai pris une météorite en plein dans la face, j'ai rien eu, j'ai pas bougé. Qu'est-ce qu'il y a? Skill papa.
non, c'est peut-être là qu'il y a pas mal d'ennemis. Hop là, coup par hasard. Bah, ah, j'allais dire ou quoi? En fait, les ennemis ils ont pas de spawn, ça. Oh non, j'ai esquivé, mais j'ai pas esquivé assez long. Oh là là. Je vais essayer d'être au prochain niveau pour débloquer le mode démoniaque là. Enfin, prochainement quoi. Bien que l'épée genre elle soit elle reste collée sur le mec. Oh, vous partez et hop. Ouais, faites. Oh, j'ai deux, j'ai tout en haut. J'ai Johnson. Quoi? Stardustic! Voilà. Il range le petit fourreau. Normal. C'est badass. Virgil! Cat! Cat! Est-ce que ça va? Ça va. Mais toi, tu es mort. Dire que tu as dû mourir pour comprendre l'humanité. Je t'ai sauvé des démons. Est-ce que tu te souviens? Je t'ai donné un foyer, une raison de vivre. Non, tu t'es servi de moi et tu m'as trahi. Tout ce pourquoi tu me hais, je devais le faire. Vraiment? Tu nous as trompés, Virgil. Moi et ton frère. Dante, lui, c'est un vrai homme. Toi, tu es faible et juste pitoyable. Jamais tu ne pourras l'égaler. Il a les yeux rouges. Qui dit yeux rouges dit démoniaque, je pense. Quand même. B. C'est moyen. Bref, on va aller dans les améliorations. On va améliorer Yamato encore une fois. En fait, ça j'utilise pas. Punition céleste. Le truc chargé, j'utilise pas trop. Bon, ça j'aime bien. Mieux. Et la distance est la plus grande. Oh. Ah, faut maintenir au sol ça. Les étoiles montantes. Ouais, faut le maintenir au sol. C'est pas de couille, bon. Objet. J'ai une étoile vitale. C'est génial. Je sais plus s'il a un mode démoniaque. Oh, regardez ma vie. J'ai plus de vie. Donc on va commencer la mission, hop. Dans cette vidéo, bam, deux missions, tranquille. En même temps, sinon elle aurait été un peu courte vu que je l'ai rushé un peu. Enfin, en même temps, j'avais un peu tous les objets à ramasser. Enfin, tous les objets. J'ai ramassé une grosse partie, les autres, je sais pas où ils sont.
Je l'ai tué. Tu es plus fort maintenant. C'est ce que tu as toujours voulu. La puissance. La puissance absolue, Virgil. Tu es un fils de Sparda. Deviens le fils de Sparda. Bienvenue en enfer, mon frère. Je n'ai plus de frère à présent. Charmant. Tu sais, c'est moi qui vivais en cavale, dans les taudis. Toi, t'avais une petite vie tranquille. Maintenant, regarde où j'en suis. T'as ta place nulle part. C'est pour ça que t'es là. Et aussi parce que je t'ai tué. Hein ? J'adore le nouveau look. Putain, ouais. Hey, par ici. Non, j'ai cru qu'il était encore blessé en fait. Putain. J'aime pas les sauts avec Virgil, il fait qu'un saut, cette espèce de feignasse. Donc c'est soit on y va devant, soit on va là-bas. On va là-bas, parce que j'en suis sûr, il y a un objet. Ou pas. Ah ah. Regardez, si on serait pas passé à droite, on n'aurait pas vu. On aurait peut-être entendu, mais... Je ne sais pas. Ok, on monte. Là, ennemi, ça sent, le piège, il va se refermer. Ennemi, bang. Mode démon. Les attaques démoniaques de Yamato fichent de lourds dégâts. Oh oui. Oh là là, l'attaque est trop lourde. Enfin, elle est trop lourde. Elle est trop lente. Moi j'essaye un peu les attaques en fait. C'est bizarre ça, en fait c'est toujours le Yamato mais avec une arme lourde. Ok, il est parti dans le vide et j'ai failli faire la même chose que lui. Je peux pas perdre mon truc. Aïe. Merde. Par contre, j'étais passé où? Ah oui, c'est là-bas, la dente. Tu peux pas devancer ton grand frère. Les transports en commun. C'est quand même pas mal, ils ont gardé quand même la petite touche d'humour de Dante. Oh merde. Sauter comme un tard alors je savais pas où est-ce qu'il fallait aller. Où est
tuer Dante. Il recherche trop la soif de... Il recherche trop la soif de vengeance, j'allais dire. Il a trop une... Trop grande soif de... Enfin bref. Il recherche trop la vengeance en fait. J'ai pas lu ce qu'il disait. Très bien. Un peu classe sa démarche. Ok, il y a que dalle là-bas. Ok, une statue. Là, 0 points encore une fois. C'est génial. Dante, viens ici. Diabolisma! Allez, sensationnel! S'il te plaît, vite! Ok, j'ai perdu. Où l'autre? Putain, il m'a défoncé. Oh la vache, un gros. Trop lent, même la hache de... dedans t'es moins... Où est-il? Arrête-toi! Il est trop vénère! Regardez son sang, il est furieux. Vous savez ce que, à quoi ça me fait penser le petit fight là, ça me fait penser à Bleach. Si vous avez regardé Bleach ou pas, ou si vous êtes en train de regarder, bah écoutez pas, mais moi actuellement où j'en suis, il est en train de contrôler son holo qu'il a à l'intérieur de lui. Et quand il fait son combat contre son holo, en fait il est tout blanc. Comme Dante il y a 2 secondes. Quoi. Et donc ça me fait fortement penser à ça. Voilà. Et il y a une croix de santé derrière, mais je sais pas comment y aller. Peut-être un peu plus loin, je sais pas. Non, je pense pas. Ok, j'ai vu, j'ai débloqué un point à l'instant. Mode démon. Dévastatrice. Ah là, ça les repousse et là, ça les fait voler. Ok. Ouais, on va monter juste normal. Hein. Ouais, l'attaque de base. Ouah.
Moi aussi je peux lancer des flèches. Enfin moi c'est plus des épées que des flèches. Oh putain mais t'es en train de bugger dans le sol. T'es low. Ok. Je rigole plus. Il meurt tout seul. Ok, et moi aussi je meurs tout seul. Par la même occasion. Il y a une voiture en feu qui vole. Je dis ça passe à l'aise, mais en fait c'est passé juste. Ça dure illimité jusqu'à ce que. Est-ce que ça se détruise des flèches ou quoi? Enfin les épées. J'ai l'impression que c'est des flèches. Lâche. Attendez, je vais récupérer l'étoile, j'arrive. Genre il manque un coup d'épée pour enchaîner. Sensationnel! Voilà, j'ai mon triple S. T'es une troisième fois? Une deuxième fois plutôt? Ah oui! Ok, par contre là j'ai tué deux. Oh. J'ai eu clairement très très chaud. On a 2 barres de vie. On va essayer de pas mourir. Si je suis vraiment dans la merde, je serai en soi, tant pis. Tu n'as nulle part où aller. Je crois que je lui avais fait un doigt. Très bien. Voilà ce que j'attendais. Une dernière blague à faire, Dante? Ou t'as quelque chose à ajouter?
Bien. Non. S'il te plaît, non. Tu n'en as plus besoin. Ferjeu a tué Dante. Non. Oh, point du 6, je joue un triple S. Yes. Putain. Par contre, le temps et l'achèvement, j'ai une vieille note de merde. Attends, l'achèvement, j'ai chopé la moitié, tu sais. Mais tout ce qui a à remonter, c'est le point de style. Putain, je suis trop deg. J'ai un putain de point de style, mais. Dommage. Non, mission suivante. Impitoyable. Donc, je sais qu'il y a 6 missions, donc je sais pas, ça durera combien de temps. La prochaine. Mais je pense que. 4, voire peut-être 5 épisodes si j'ai pas envie de faire un épisode trop long pour le prochain. Et puis voilà. Donc j'espère que ces deux missions vous a plu et cet épisode vous a plu. On a débloqué les deux modes Ange et Démon, donc on va voir ce qu'on va débloquer plus tard. On va sûrement débloquer d'autres choses, je sais plus. Bref, en tout cas on se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 3 de La Chute de Virgile. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour le prochain épisode. Voilà, j'ai cherché un autre truc à dire, mais on se retrouve clairement pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.